et bienvenue chez les deux sœurs de Maïdis. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle recette et je vous propose ces petites bouchées au poulet, très sympa pour un apéro dînatoire, tout simplement en entrée. Je vous laisse avec la liste des ingrédients ainsi que toutes les étapes de préparation. Et avant toute chose, merci de liker la vidéo, de la commenter et pourquoi pas de la partager autour de vous. Ici, dans ma poêle, je vais mettre l'équivalent de 2 à 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. J'y ajoute un oignon émincé et une douce d'ail écrasée. Et je fais revenir mon oignon jusqu'à ce qu'il devienne translucide. Ici, je rajoute un blanc de poulet coupé en petits dés. Et je le fais revenir avec l'oignon. Je sale. J'ajoute un petit peu de poivre. J'ajoute ici une cuillère à café d'épices spéciales poulet. Voilà, une fois que le poulet commence à bien cuire, là je vais rajouter un petit peu de coriandre ciselé. Voilà, une fois que notre poulet est cuit, on stoppe la cuisson et on laisse complètement refroidir notre viande. Alors ici, on va continuer donc nos croquettes donc au poulet. Donc je vais mettre mes morceaux de poulet dans mon robot et je vais venir donc les mixer. Alors une fois qu'on a mixé donc notre poulet, voici ce que l'on obtient. Donc là, je vais ajouter un petit peu de purée de pommes de terre. Donc c'est de la pomme de terre que j'ai faite cuire juste dans de l'eau salée. Voilà, on en met un petit peu. On va rajouter un tout petit peu de persil ciselé. Un tout petit peu de fromage râpé. On rajoute ici un jaune d'œuf et une à deux cuillères à soupe de chapelure. Donc là, on va venir, on va céder des mains et on va venir ramasser, donc mélanger tous les ingrédients ensemble. Une fois qu'on a donc fait notre mélange, on va venir ici prélever donc une quantité de pâte et on va venir faire des petites boulettes comme ceci. Alors après, vous pouvez leur donner la forme de votre choix, en bâtonnet ou comme vous voulez. Moi, je vais faire des petites boulettes comme ça.
Voilà, une fois mes boulettes terminées, je vais les placer donc au réfrigérateur pour 1 heure ou 2 jusqu'à ce que ma pâte durcisse un petit peu. Alors, si vous voulez accélérer, vous pouvez aussi les placer au congélateur. Alors, à présent, j'ai récupéré mes boulettes de poulet, donc je les passe d'abord dans l'œuf battu. Et ensuite, donc, dans la chapelure. Comme ceci. En parallèle, je suis en train de faire chauffer un bain d'huile dans lequel je vais venir donc frire mes petites boulettes. Ici, je viens de déposer toutes mes croquettes et je vais les faire frire jusqu'à ce qu'elles deviennent bien dorées des deux côtés. Dès que vos boulettes prennent une jolie couleur dorée, vous pouvez donc les retirer, les placer sur du papier absorbant pour enlever l'excédent d'huile. La cuisson est très courte puisque nos ingrédients sont déjà préalablement cuits. Notre recette est terminée, j'espère que celle-ci vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, laissez-moi un like et un commentaire et n'hésitez pas à partager la recette autour de vous. Si vous êtes de passage sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le macaron qui apparaît sur votre écran et vous pouvez également activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines recettes. Vous trouverez la liste des ingrédients en langue arabe et en langue française en barre d'informations ainsi que les liens vers mes comptes Instagram et Facebook. Quant à moi, je vous souhaite un bon appétit. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle recette. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt chez les douceurs de Maïdis.